Et puis, on va l'élargir un petit peu pour réaliser une magic ring. C'est-à-dire qu'on va venir crocheter dans la boucle du nœud coulant en rond. Donc ça, on commence par la base du panier, c'est vraiment le fond du panier. Donc j'y vais. Donc je pique dans la boucle. Je viens tirer le fil du côté de la pelote avec mon crochet. Je passe à l'intérieur de la boucle. L'autre côté du fil est bien sûr laissé libre de ce côté-là. Je fais à nouveau un jeté et je viens tirer dans la boucle sur le crochet. Voilà une première maille réalisée. On va faire de la même façon 10 mailles piquées dans ce cercle magique. Donc je continue, je pique, je réalise un jeté, je tire, je réalise à nouveau un jeté et je tire à travers les deux boucles. Voilà une deuxième maille serrée. On continue, je pique, un jeté, je tire, un nouveau jeté et je tire avec les deux boucles. On continue de la même façon. Pour faire le tour